Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Tonio de la Smoky de Famille et on se retrouve pour l'épisode 7 de notre Let's Play, il me semble. Oui, c'est ça, donc je ferai un bref résumé avant de commencer à jouer. Donc, au dernier épisode, donc on s'est finalement fait capturer parce qu'on s'était infiltré dans la Shinra, on s'est fait capturer, bref, ils nous ont emprisonnés. Et puis après, la porte de nos cellules était ouverte, et on a vu qu'il y avait plein de sang, des gens morts et tout. Et en fait, donc Sephiroth s'est introduit, il a tué tout le monde, même le patron de la Shinra. D'ailleurs, du coup, son fils donc est devenu président de la Shinra, du coup. On l'a affronté, on a affronté deux autres boss, puis après, donc, on s'est enfui, et nous voici enfin sur la map monde, donc on est sorti de Midgar. Et donc, en off, j'ai fait 40 minutes un peu de level up, donc j'ai augmenté un peu les persos, voilà. Et j'ai appris la compétence talent de l'ennemi, j'ai appris une compétence avec Rouge 13, et donc... À mon avis, c'est là qu'il faut aller. On nous a dit d'aller vers l'ouest. C'est là qu'on retrouvera Barrett et Aerys. Donc je peux vous montrer rapidement un combat. Juste pour vous montrer la nouvelle technique de Rouge 13 qu'il a appris via talent de l'ennemi. Donc c'est une compétence pas mal. Quelques dégâts. Et, les persos sont vraiment bien là. Je suis pas mal au niveau. Puis il y a 13 points, donc c'est parfait. On va juste voler. Et ensuite, voilà. On va couper dans le talent de l'ennemi. Et je fais ça. Regardez un peu la puissance de l'attaque. Je fais un super avec. Ah oui, la materia, je l'ai placée sur Tifa, du coup Rouge 13 a eu une attaque de zone, j'en avais plus besoin, et du coup bah, c'est Tifa qui a la materia, je l'ai mis sur le sort guérison, et à la montée d'un niveau, la materia, du coup je peux lancer deux sorts soins sur tout, par combat. C'est vraiment pas mal. En plus vous remarquerez que j'ai réussi à baisser le son du jeu, donc du coup vous m'entendez bien normalement, c'est pas mal du tout. Donc on va entrer dans la ville, hop. Alors c'est parti. Alors voilà, calme. Ah bah c'est calme. Ah, on l'a refait, c'est bon. Nous sommes supposés nous retrouver à l'auberge. On y va? Ok, donc c'est juste là. Moi je vais pas y aller tout de suite. J'ai d'autres choses à acheter. Allons-y Cloud. Et je fais ce que je veux. Donc voilà, on va un peu inspecter les lieux, voir s'il y a des trucs à acheter. Donc voilà, on va prendre la maison la plus à droite. Alors qu'est-ce que tu veux grand-mère? Est-il vrai que la Shinra a créé un monstre? C'est vrai. Quoi qu'il en soit, tant que nous utilisons le réacteur, nous ne pouvons pas nous opposer à la Shinra. Et la Shinra va continuer de semer la terreur vu que le fils du président est toujours là, Rufus. Donc c'est lui le nouveau président et justement, ah oui, il a dit qu'il, contrairement à son père qui maîtrisait tout le monde par l'argent, il a dit qu'il allait les maîtriser par la terreur. Donc il est vraiment méchant, encore plus méchant que son père. Enfin, ouais. Je suis en bonne santé et j'ai de quoi manger, toi bien. Il n'y avait rien dans cette maison. Mais maintenant je parle à tout le monde dans les maisons parce que la dernière fois je me suis fait avoir quand j'étais voir la Solus un peu pour voir ce que j'avais pu louper. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'items qu'on m'avait mis. Donc, je voulais pas entrer dans ce truc là en premier. Ah ok, voici le magasin d'armes. On peut acheter des armes. Logique, dans un magasin d'armes, j'ai envie de dire le boulet canon. Alors j'ai une arme avec barrette mais je sais pas si ça fait plus de dégâts ou moins. Au pire, je garde et je verrai après. On griffe mithril. Ça, je vais le mettre à Tifa, ça c'est sûr. Bâton métallique, oui, pourquoi pas. Ah oui, je me suis fait pas mal de guilds aussi grâce à ma période de fight. C'est pas mal. C'est le magasin de matéria. Donc, est-ce que je peux avoir une matéria de tout? Ça me console un peu. Non. Je ne peux pas. Il me semble que j'ai déjà 3 matéria soins. Il y en a une sur Tifa, une sur Cloud. Et une sur Aerys, je sais plus. Je vais pas en prendre 2. Je vais en revendre une. Enfin non, je vais garder 3 matériaux volés, ça peut être utile. Poison. On va en prendre 2 et la nouvelle matéria, on en prend 2. Allez, voilà. D'ailleurs, je vais tout de suite en équiper quelques-unes sur Cloud. Donc, il a restauré couverture, foudre et tout. Et donc, on va lui mettre volé. Et on va lui mettre terre. Que Cloud sera tout le temps dans mon équipe, hein. Je compte le jouer presque en permanence. Hop, il nous restait ce magasin, je suppose que c'est le magasin d'objets. Voici le magasin d'éléments. Oui, d'objets. Alors qu'est-ce que tu as pour moi? Alors détente, je vais en prendre. C'est vachement utile ça. Potion, j'avais pas besoin que tu fasses non plus. Bon, tout ce qui est truc d'altération d'état pour l'instant, c'est pas ma priorité.
Bon, j'ai déjà dépensé presque tout l'argent que j'ai pu avoir en offre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il semble qu'il y ait eu un groupe à pierre blanche dans le coin, mais je suppose qu'ils vont être éliminés par le soldat. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Non, pas dans la cuisine. Ok. C'est mal poli. La Shinra tente d'éliminer quiconque s'oppose à elle. Qu'on l'aime ou pas, cela n'a aucune importance. La Shinra a pris le pouvoir et nous devons vivre avec. J'ai entendu dire que des terroristes ont bombardé le réacteur de Giga. Ouais, c'était nous, c'était Avalanche. Il est vrai que les incidents graves sont fréquents depuis quelques temps. Je déteste ça, oui, je déteste ça. Ok. Je parle à tout le monde, hein. Migar, c'est une ville flottante. J'aimerais voir un jour ça, mais... Oh, elle est moche, hein. Enfin bon, moi, en même temps, j'étais dans les Tony. J'ai entendu dire que le président Shinra avait été tué et que son fils, Rufus, le nouveau président, avait été gravement blessé. Et je parie que tu ne le savais pas. Eh, hey, tu es bien informé. Eh, hey, ça reste entre nous, j'ai entendu dire que c'était Awa Wadia qui avait attaqué le président Shinra et son fils. C'est pas mal. Bon, mais sur Shinra, une com. Tu trouves une com, mais je sais pas si c'est vrai d'avoir développé de l'énergie Mako pour nous. Tout est bien plus facilement. Était mineur, mais il n'a pas pu continuer à travailler lorsque les monstres ont commencé à apparaître à la ville de Mitri. Maintenant, il passe son temps à boire à Sioba. Ah, puis je vais pas parler. J'ose dire que les ressources naturelles situées près des réacteurs sont à sec. Donc, mieux de faire en sorte que ce soit apporté à l'énergie Mako. Donc, toi, t'as été voir une horloge. Ok, y'a rien à faire. Bon, on va bientôt pouvoir aller à l'auberge. Il me reste deux maisons inspectées et ces deux personnes à apparaître. Touriste, hein. Il faut que tu saches certaines choses qui peuvent être utiles lorsque tu voyageras autour de moi. Tu veux que je te les confie, dis-moi tout. Alors laisse-moi t'expliquer comment utiliser... Oh non. Alors que tu veux comment changer l'angle de caméra, comment utiliser les touches. Ah, comment utiliser les touches. Je suis obligé de... Je peux pas quitter. Pour contrôler des objets, appuie sur la touche OK et pour annuler, sur la touche annuler, ce n'est pas plus difficile que ça. Oui, oui, tu peux continuer à jouer lorsque la carte du monde est activée. N'appuie pas sur la touche annuler si tu ne peux pas annuler ton choix. N'oublie pas, car les chocobos disparaîtront si tu annules. Alors attention, as-tu autre chose à me demander? Quand même lui demander ça. Appuie une fois sur la touche Tarche pour afficher la carte du monde. Deux cartes sont proposées, une petite et une grande. Sache les utiliser à bon escient si tu veux. Et tu ne perdras pas trop souvent. Ah, tu ne te perdrais pas trop souvent. Appuie deux fois sur la touche Tarche pour modifier la taille de la carte. Appuie une dernière fois pour la désactiver facilement. Ça, je sais comment changer. Mince! J'ai cru que ça disparaissait l'option une fois que on avait fait. Mais non, en fait. Faut réappuyer sur la dernière option qu'on a choisie pour quitter. Voilà. Oui, tu peux enregistrer ta partie, notre conseil d'enregistrer fréquemment et pour voyage. Ah, allez, écoutez-moi, tu as quelque chose d'intéressant à dire? Il y a trois maisons en fait. Allez, c'est parti. Il y avait un homme étrange vêtu d'un manteau noir et portait une épée. Pacificateur. On va aller dans l'élément juste pour voir ce que c'est. Ah oui, j'ai... Ça c'est une arme pour Vincent, je pense. Sauf qu'on n'a pas encore recruté et à ce qu'il paraît, c'est un personnage optionnel, donc faudra pas que... Ah oui, pourquoi j'ai pas acheté l'arme de Barrette? Parce que quand en off, j'ai réussi à voler ça. Ciseaux atomiques, je voulais voir les dégâts. Avant de voir si c'était plus fort ou pas. Et... Si c'est moins fort, bah... J'achèterai l'arme, sinon bah, j'équiperai celle-là à Barrette. Hop, on va aller voir là-haut quand même. Ok, il y a des enfants, ils vont rien me dire. Mais... Frère aîné est vraiment stupide, c'est très gênant. Quand je serai grand, je m'engagerai dans le soldat, c'est pour ça que je m'entraîne. Avec des bastons. Arrête de me moquer. Arrête, t'es chiant. Non, il est vraiment chiant, t'as raison, ton frère, il est stupide. Ouais. Bon, alors, une maison, attention, encore deux. Alors, qu'est-ce que t'as papy à me dire? Ah, j'arrive pas à aller jusqu'à lui. Tu as dit que tu venais de Midgar? Moi aussi, j'y ai habité, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes derrière moi. Quelque chose à faire, ça. Il y a un coffre, là. Ok, il y a rien à prendre. Je peux même pas dormir. Il y a quelque chose ici, au-dessus, et tel. Ah, faut que je pense à interagir avec les objets. Du coup, j'ai peut-être loupé des trucs dans ce coin-là. Il y a peut-être quelque chose. Du coup, je peux interagir avec le coffre, j'ai même pas regardé. Bah, si je suis con, j'ai essayé. Ouais. Il y a un
un éther, c'est bien ça. C'est utile les éthers. Ça se vend bien en plus. Après, j'en garde quelques-uns toujours en réserve. Maintenant faut que je pense à inspecter, je pense que j'ai loupé des choses, mais bon c'est pas grave. Grâce à l'énergie Mako, la vie est sacrément facile. Merci à la Shinra. Je crois pas. Tu en es plein. Mais je ne préfère pas imaginer que ce serait la vie. Ce que serait la vie sans l'énergie Mako. En même temps tu as été habitué depuis tout petit. Toute petite. Donc c'est sûr que ça doit être dur à imaginer. Comme les adultes qui comprennent pas comment on en est venu au portable, enfin les vieux. Là, pour nous c'est naturel quoi. L'énergie Mako a rendu les choses bien plus faciles, mais il semble que beaucoup de plantes et d'animaux disparaissent à une allure vertigineuse. Je crois qu'on vivait mieux avant. Alors qu'en penses-tu? Oui peut-être. Oui bien sûr que j'ai raison. Tu fais pas la maline hein. Bon voilà, on a tout inspecté, donc on va aller dans l'auberge, c'est bon. On a fini, comme ça on est sûr d'avoir rien loupé, on a chopé deux éthers et on a acheté quelques trucs. Alors, je vais dormir. Monsieur Cloud, ton groupe t'attend 10 minutes. Je peux pas dormir. Je veux dormir. J'ai de la mana à récupérer et tout. Allons voir. Je vous ai manqué. Cloud, tu es en retard. Eh mon ami, tu es en retard. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je crois que tout le monde est là maintenant. Alors écoutons ton histoire. Tu sais, celle à propos de Sephiroth et de la crise qui menace la planète. Écoutons tout ça. Écoutons. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. C'est pourquoi je me suis engagé dans le soldat. Après avoir mené quelques missions avec Sephiroth, nous sommes devenus amis. Tu appelles ça un ami? Oui, eh bien, il est plus âgé que moi et il parlait rarement de lui. Point, 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 point. Alors je suppose que pour toi c'est un copain de guerre, point 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 point. Nous avions confiance l'un dans l'autre, jusqu'au jour où, point 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 point. Au jour où... Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Shinra. C'était il y a 5 ans, j'avais 16 ans. Donc Cloud a 21 ans. Il pleut à torrent. Eh, hey, comment ça va? Ça va bien. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le mal des transports. Tout va bien? Are you okay? Eh hey. Installe-toi. Ils m'ont donné une nouvelle matériel. Je suis impatient de l'utiliser. Comme un gosse. Tu vas nous expliquer cette mission? Ce n'est pas une mission ordinaire. Bon. Pourquoi dis-tu ça? J'ai rejoint le soldat pour pouvoir être comme toi. Mais le temps que je devienne première classe, la guerre était déjà finie. J'ai abandonné tout espoir de devenir un héros comme toi lorsque la guerre s'est terminée. C'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission importante, un peu pour m'affirmer. Alors comment ça va, Sephiroth? Je croyais que tu voulais une explication. Notre mission est d'étudier un vieux réacteur Mako. On a rapporté qu'il fonctionnait mal et qu'il produisait des créatures brutales. Tout d'abord, nous éliminerons ces créatures. Ensuite, nous identifierons le problème et y remédierons. Des créatures brutales, où ça? Au réacteur Mako de Nibelheim. Nibelheim, c'est de là que je viens. Ta ville natale? Eh, quelque chose de bizarre vient de s'écraser dans notre camion. Sur notre camion, j'ai pas eu le nom. C'est peut-être notre monstre. Allons-y! Oh! Un fight. Oh, c'est cool! Je maîtrise Sephiroth. Aïe, aïe. J'ai 140 PV. Ok. Bon déjà je maîtrise pas Sephiroth et Cloud vient de se faire un stand. Par contre Sephiroth il a un peu défoncé le mec en face. Bonjour. Je suis un peu OP. Alors que moi je suis nul.
Il s'est fait défoncer, Cloud. La force de Fessiro est surnaturelle. Il est bien plus fort encore dans la réalité que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Alors, où veux-tu en venir? Moi, j'étais fasciné par la façon de combattre de Sephiroth. Ah, je manque de salive, j'ai du mal à parler. Point, 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 point. Et c'est là que nous sommes arrivés à Nibelheim. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait un bout de temps que tu n'es pas revenu chez toi, hein? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de chez moi. Et tes parents? Ma mère, c'était Genova. Elle est morte à ma naissance. Mon père... Il rigole. Qu'importe. D'accord, partons. Ça pue le Mako, par exemple. Oh là, attends un peu. Ce n'est pas le nom de la mère de Sephiroth. Je me souviens de Genova, c'est ce fantôme décapité qui hante le bâtiment de la Shinra. C'est ça. Barrett, peux-tu nous laisser écouter ce que Cloud a à dire? Tu poseras des questions plus tard. Tifa, je voulais seulement... D'accord, Cloud, continue. C'est une réunion entre copains d'enfance. J'étais très étonné par Tifa. La ville était calme. Chacun devait rester chez soi, effrayé à l'idée de sortir à cause des mots. Non, c'est peut-être de nous qu'ils ont peur. Nous partons pour le réacteur à l'aube, et surtout endors-toi tôt. Il suffit qu'un de nous veille et les autres pourront se reposer. Oui, c'est vrai. Vous pouvez rendre visite à vos familles et à vos amis. J'ai des trucs dans cette vie. Bienvenue. Tu ne serais pas... Suis déjà venu ici, je ne me souviens pas. Tu m'envoies balader maintenant, ce n'est pas important, alors débrouille-toi. Il se repose des questions, donc c'est un truc que je vivrai à chaque fois. J'ai entendu dire que Sephiroth allait venir et j'ai préparé mon appareil photo. Je veux prendre une photo de Sephiroth avec un monstre. Prends-moi en photo, nous ferons mieux de retourner dans la maison sans moi. En général, je ne prends pas de photo avec des minables. Il a comment il a rejeté. Ah, tu es avec la Shinra, bien. Oh, excuse-moi, c'était toi, Cloud. Je ne t'avais pas reconnu. Shinra? Shinra? Non, avec un S. C'est ta sœur qui a raison. Soldat? Une salsa? Vas-tu tuer les monstres? Vas-tu le faire? Merci. Merci les gosses. Hein. Vous avez été très utiles. Un coffre, un coffre, un coffre, un coffre. Moi c'est un souvenir, je suppose que je peux pas prendre d'objets. Bon, j'ai intérêt à trouver Tifa parce qu'apparemment je dois faire les retrouvailles. Ou alors c'est aller à l'auberge, je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Si je vois Tifa, je leur parle, sinon... Cloud, tu es rentré dans ma maison? Ouais. Je pensais que tu serais peut-être chez toi. Bon ouais, en fait, Tifa, je la verrai pas maintenant, faut que j'aille me reposer. Je vais quand même fouiller sa chambre, il y a peut-être des choses intéressantes. Cloud, tu es entré dans ma chambre. Ouais, je suis entré dans ta chambre. J'ai fait un peu de piano. Ah, mal à contrôler un peu ça. Moi, je peux... On est d'accord, je peux rien avoir. J'arrête, je vais dormir. Ah, mais... Je sais pas ce qu'il a.
ces contrôleurs. Je peux pas jouer avec le joystick aussi, je suis obligé de jouer avec les flèches et de faire des trucs bizarres. Bon allez, on va dormir. Est-ce que Shinra est ici pour se débarrasser des monstres? Et toi, qui es-tu? Je suis Sangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux aux enfants. J'ai 128 élèves dans le monde. Dans cette ville, une fille du nom de Tifa est mon élève. Oh, le maître de Tifa. As-tu dit Tifa? Tifa a la tête bien faite. Elle fera une combattante émérite. Eh bien, de quoi as-tu besoin? Où est Sephiroth? Oui, il est à l'étage. Donne-moi une chambre où je peux rester. Tout est réservé pour les gens de la Shinra, alors ça m'est égal. Mais ne serais-tu pas plus attendu chez toi? Ok. Parle-moi de la situation de lui. Maintenant, parle-moi de la ville. Beaucoup de monstres sont apparus ces 12 derniers mois. À part ça, pas de grand changement, rien de passionnant ne se passe dans une petite ville comme celle-ci. C'est très bien quand ils construisaient le réacteur, tant qu'ils le construisaient. Mais lorsqu'il fut terminé, les choses se sont gâtées, et en quelques années, tous les arbres de la montagne se sont desséchés. Je ne sais pas si le réacteur a été un bien ou un mal. En fait, c'est facile de dire après coup que c'était une mauvaise idée, mais maintenant, que peut-on y faire? De toute façon, il faut se débarrasser des monstres. Ensuite, nous pourrons tous nous sentir un peu plus détendus. Ok, on va aller voir Sephiroth. Je dois aller dans ma maison apparemment. Qu'est-ce que tu regardes? Ce paysage, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Ok, donc ça sert à rien, on est d'accord. Moi je dois aller chez moi. Et Sephiroth va dormir avec les deux autres soldats apparemment. Donc quelle est ma maison? Je suis sûr que ça doit être une maison. Oui. Ce château. Bon, je viendrai plus tard. J'ai pas été ici, ça doit être ça ma maison. Ouais c'est ça, on l'avait vu dans le flashback du début, dans les premiers épisodes. Voici ma maison, ça n'a rien à voir avec l'incident qui s'est produit il y a 5 ans. Attends, je veux entendre. Moi aussi, ça fait longtemps, hein. Raconte-nous davantage, tu as vu ta famille, n'est-ce pas? Je ne veux pas en parler, eh bien je ne vais pas te forcer. Qui sait ce que j'y ai vu? Je peux pas dormir. Je peux même pas, je sais pas ce qu'il faut faire. D'accord. Je ne sais pas si tu peux appeler ça une famille. Mon père est mort quand j'étais tout petit, c'est pour ça que ma mère habitait toute seule dans cette maison. Ouais, j'ai vu ma mère. Ma mère était une femme forte, elle n'a jamais changé. Mais quelques jours plus tard, elle est morte. Quand je l'ai vue, elle avait l'air en pleine forme. Ah donc j'étais obligé de faire ça. Hein? Oui? Cloud! Cloud! Mon dieu! Bienvenue chez toi, Cloud! Bonjour, maman! Viens, approche, laisse-moi te regarder. Tu es tellement beau. Ceci, c'est un uniforme du soldat. Maman, je... Dis donc comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas! Est-ce que tu te nourris bien? Je vais bien, la compagnie prend soin de moi. Ah bon? Tu ne fais pas de cuisine, hein? Je ne savais pas comment tu allais, j'en étais malade. Cloud? Tu sais, Cloud? C'est pas vrai, Cloud. Je serai toujours ta mère. Bah oui. Arrêtons ça. Je dois aller au château. Ce château, bon, je viendrai plus tard. Est-ce qu'il faut que je sorte de la ville? Par cette porte.
tout droit devant nous se trouve le mont Nibel. Je vous parlerai de l'époque où je partais dans les montagnes. Ok. Donc on va retourner à l'auberge. Cette fois je pense que je peux y aller, non? Je sais pas quoi faire en fait. Nous partons de bonne heure demain, tu devrais dormir un peu. Il est temps quand. Oui, dors. J'ai oublié les services d'une femme guide qui nous conduira au réacteur de Mako. J'ai entendu dire qu'elle était jeune, j'espère que nous pourrons compter sur elle. Mais cette femme guide, ce serait pas Tifa? Dès que le guide arrive, nous partons. Le père de Tifa, écoute le grand Sephiroth, si quelque chose se produit, fais-moi confiance. Ça va aller pour moi, papa. J'ai avec moi deux hommes du soldat. Je m'appelle Tifa, enchanté. Tifa, tu es le guide. C'est bien, tel que vous me voyez, je suis le meilleur guide de la ville. C'est trop dangereux, je ne peux pas te mêler à cette aventure. Alors il n'y a pas de problème si tu la protèges. Allons-y. C'est moi qui fais semblant de le pas connaître. Monsieur Sephiroth, je vous en prie, laisse-moi prendre une seule photo en souvenir. Tifa, peux-tu aussi lui demander pour moi? Souriez. Formidable, merci. Je vous en donnerai un exemplaire à tous lorsque je l'aurai fait développer. Un réacteur Mako a été construit au mont Nibel. L'air frais des montagnes de Nibel, c'était pareil. Je sais pas s'il va y avoir des combats dans cet épisode, ça a l'air vraiment d'être un truc d'histoire. À partir d'ici, ça se corse, tu veux, moi. Que le pont. Ça doit faire mal. Je pense vraiment qu'on va avoir un épisode histoire. Pas le truc le plus intéressant, mais bon. Tout le monde a l'air d'aller bien. Pouvons-nous revenir à l'endroit où nous étions? Ces grottes s'enchevêtrent, on dirait une fourmilière. Prosperous, on dirait qu'il manque quelqu'un. Ce n'est peut-être pas très gentil, mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche. Impossible de revenir en arrière, alors nous devons poursuivre. Nous ferons la route ensemble à partir d'ici. Sephiroth niveau 50. Et moi je suis niveau 1. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a un problème? Qu'est-ce que c'est? Une grotte mystérieusement colorée. Doit être l'énergie Mako. Cette montagne en contient en abondance, la raison pour laquelle le réacteur Mako a été construit. Ah, il y a des combats. Je pense pas être les autres. Attention. Ok. À mon avis, vous êtes mort. Oh. Ça fait une magie de niveau 3. Je vais pas survivre ça. J'ai même pas d'XP pour les combats où il les défonce. C'est triste, hein. Faudrait pas que c'est triste. Wow. C'est éclairé, hein.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Une fontaine à Mako, c'est un miracle de la nature. C'est tellement beau. Tifano, reviens! Si le réacteur Mako continue à puiser l'énergie, cette fontaine sera bientôt un sec, elle aussi. La matériale, la condensation de l'énergie Mako produit de la matériale. C'est très rare de voir. De la matériale à l'état naturel. Ah, je m'étouffe quoi. Mais comment se fait-il que lorsque tu utilises de la matériale, tu puisses aussi utiliser de la magie? Tu étais dans le soldat et tu ne le sais pas? La connaissance et la sagesse des anciens sont contenues dans la matériale. Quiconque possède cette connaissance peut facilement utiliser les pouvoirs de la Terre et de la planète. Cette connaissance interagit entre nous et la planète en faisant appel à la magie. La magie, un mystérieux pouvoir. Ah ah ah. J'ai dit quelque chose de drôle. Un homme m'a dit un jour de ne jamais employer un terme si peu scientifique comme pouvoir mystérieux. Ça ne devait même pas s'appeler de la magie. Je me souviens encore combien il était en colère. Qui était-ce? Ojo de Shinra, Inc. Un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de prendre la succession d'un grand scientifique. Il était bourré de complexes. Ah, Ojo, Ojo, Ojo. Fontaine à Mako, alors c'est là que se trouve la connaissance des anciens. Ojo d'ailleurs, je me suis demandé ce qu'il est devenu, il s'est foutu par Sephiroth aussi, hein, je pense. Ouais, je pense aussi que c'est ça. Après, j'étais stylé, j'ai Sephiroth avec moi et tout, il défonce à ma place, moi je suis niveau 1. C'était le Cloud d'antan. Des mots tellement stylés. Je pouvais aller derrière, je sais pas ce qu'il y a derrière. Nous avons enfin réussi, mais nous n'avons pas pris le chemin le plus court. Tifa, attends ici. J'y vais aussi, je veux voir. Seules les personnes autorisées peuvent entrer cet endroit à bruit de tas de secrets industriels de la Chine. Mais prends soin de la dame. Il l'empêche de passer. Ah, elle a les boules. Il vaudrait mieux prendre soin de moi alors. Attrape la chaîne, tu fais quelque chose, je descends comment? Ah ok, il faut aller là. J'ai pas vu qu'on pouvait marcher sur la planche à gauche. Intéressant, on en apprend tous les jours. J'ai vraiment du mal avec les plateformes dans le jeu quand même. Non, je t'ai pas dit d'aller dans cette direction. Il y a un petit bug. J'ai vraiment du mal à répondre les touches avec ces contrôleurs. C'est Genova, c'est bien ça, le verrou ne s'ouvrira pas. C'est ça que ça fonctionne mal, cette pièce est cassée. Cloud, ferme la soupape. Ok. Elle est où la soupape, man? Ah, il est juste ici. Pourquoi est-ce cassé? Le système permet de condenser puis de bloquer l'énergie Mako. Or c'est à ce moment-là que ça fonctionne. Et que devient l'énergie Mako lorsqu'elle est plutôt condensée? Ah oui, elle se transforme en matériel. Et bien normalement oui, mais Ojo y a ajouté quelque chose d'autre. Regarde. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, bah je clique. Regarde par la fenêtre. Ah, fallait que je parle à Sephiroth pour regarder la fenêtre. C'est pas très pratique. Wow, il est moche. Qu'est-ce que c'est?
Les membres normaux du soldat sont des humains aspergés au mako. Tu es différent des autres, mais tu es toujours humain. Mais que sont-ils? Ils ont tous été exposés à une dose de mako bien supérieure à la tienne. Serait-ce une sorte de monstre? Exactement, des monstres créés par Rojo de la Chine, des organismes vivants, mutants créés par l'énergie mako. Voilà ce que sont vraiment ces monstres. Des membres normaux du soldat, tu veux dire que tu es différent? Hé, c'est bien ça. Non. Étais-je... Ai-je moi aussi t'écris comme ça? Suis-je semblable à tous ces monstres? C'est bien. Elle a dit la chose qu'il fallait pas, Cloud. Non, Cloud. Tu as vu, ils étaient tous humains. Humains, pas du tout. J'ai toujours su depuis que j'étais enfant, que j'étais différent des autres spéciales, en quelque sorte. Mais pas comme ça. Vraiment moche, hein. Suis-je un humain? Je ne comprenais pas très bien à l'époque ce que disait Sephiroth. Ce qui me surprenait le plus, c'était le fait que la Shinra produise des monstres. Foutu Shinra, plus j'en entends parler, plus je la déteste. Qui aurait pu penser que le réacteur Mako renfermerait un tel secret? Cela expliquerait la récente recrudescence de monstres. Je crois que nous devrions écouter attentivement Cloud. Tu ne crois pas, Barrett? Ouais, arrête de m'interrompre là, il est chiant lui. Pourquoi t'adresses-tu à moi? Enregistrer la partie et faire une pause. Allez, on continue, on est parti. Je voudrais lui mettre mon point dans la figure. Pourquoi ne finis-tu pas cette histoire? Tifa, tu attendais dehors alors? Oui. Nous sommes retournés à Nibelheim, Sephiroth s'est enfermé à l'auberge, il n'a même pas essayé de me parler. Et puis tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avons trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le château Shinra. Il y a longtemps, les gens de la Shinra vivaient dans ce château. Ok. Ok, donc on se rend au château de Nibelheim. Oh, Sephiroth! Sephiroth! Fouiller tout le château, c'est un flashback de toute façon, donc on va chercher l'endroit où il faut aller. Alors est-ce que c'était à gauche? Coffre fort, ça a pas l'air d'être là. Ah, il y a un soldat. Aucun signe de Sephiroth, mais je sais que j'ai vu entrer dans cette pièce. Ah, ok, donc je suis au bon endroit déjà. Descendons au plus profond les entrailles de ce château. Vraiment dommage que je puisse pas prendre mon flingue. Pas grave, on a les objets, je pourrais peut-être les prendre si jamais on revient dans cette zone. Je suis pas sûr de revenir dans cette zone d'ailleurs. Ça m'intrigue. Un organisme qui semblait mort a été trouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans. Le professeur Gast a baptisé cet organisme Genova. Année X-Y, jour X. Genova s'est révélé être un ancien. Nanana, machin. Projet de Genova approuvé, utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. Ok, il est en train d'étudier. Je ne peux pas bouger, donc il va continuer à dire des trucs, ça veut dire. Ok, il passe dans la pièce d'après. Dis-moi tout, Sephiroth, raconte un petit peu. C'est quoi ce délire?
Ma mère s'appelle Genova. Projet Genova, n'est-ce qu'une coïncidence? Professeur Gaz, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu mort? Allez, moi je veux bien te parler. Qu'on me laisse tranquille. Ok, donc je dois me barrer. Je me barre, au revoir. Je te laisse tranquille. Eh, j'ai bien fait en plus, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Sephiroth n'est pas sorti du château, Shinra. Oh ouais, Bookin, hein. Ouh, il a la foi, le mec. Il a continué à lire comme s'il était possédé, la lumière du sous-sol est restée toujours allumée. Sephiroth qui commence à devenir fou. Comme nous pouvons le voir. Quand même moi je dors dans le château Shinra, carrément. Ok. Oh bah, j'étais directement dans le château Shinra également. Carrément, moi je squattais du coup. Bon bah on va aller voir ce qu'il devient, à mon avis c'est ce qu'il faut aller voir. Attends. Sephiroth a l'air différent. Déjà il y a la musique suspense, donc il s'est passé quelque chose. Alors allons voir. Bien cette musique franchement. C'est Sephiroth. Ah ah ah. Qui est-ce? Traître. Traître? Espèce de traître ignorant, tu vas voir, cette planète appartenait autrefois aux Cétras. Les Cétras étaient un peuple nomade, ils ont migré et se sont installés sur la planète avant d'en repartir. À la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la terre promise et le bonheur suprême. Mais ceux qui désapprouvaient ce voyage apparurent, ils stoppèrent leur migration, construisirent des abris et choisirent de mener une vie plus facile. Voilà ce qui était arrivé aux Cétras, la planète s'en est contentée sans rien offrir en retour. Ce sont tes ancêtres. Sephiroth? Il y a bien longtemps, une catastrophe s'est abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fui, ils n'ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice des Cétras. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste des Cétras tient dans ces rapports. Mais quel est le rapport avec toi? Tu ne comprends donc pas? Un membre des anciens Genova a été retrouvé dans une strate géologique datant de 2000 ans. Le projet Genova. Le projet Genova consistait à créer des hommes dotés des pouvoirs des anciens. Non, des Cétras. Les anciens égale Cétras, ok. J'ai été créé. Créé? Oui, j'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Genova. C'est un scientifique de génie. Comment a-t-il... Sephiroth? Ça suffit, je vais voir ma mère. Ah, c'est bon, la musique qui se lance. Oh là là, là, tellement bien cette musique. La bande son de ce Final Fantasy, magnifique. Bon, comme toutes les bandes son de Final Fantasy. Et je vous laisse apprécier le son, je crois. Toi, tu vas bien, n'est-ce pas? Alors viens ici, m'aider. Je vais fouiller cette maison et toi fouille celle là-bas. Sephiroth, c'en est trop! Je veux bien le contrôle.
c'était la cinématique culte, ce petit moment. Même moi je la connais, alors que j'ai jamais fini FF7, on va dire, jamais commencé. Voilà, on se rend au réacteur, on va voir ce qui s'y passe. Cette fois, je connais la planche, je vais pas me faire avoir deux fois. Alors on va voir ce qui se trame là. Épisode full histoire. Hein. Mon père, Sephiroth, c'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Sephiroth, le soldat, les réacteurs Mako, la Shinra, tout, tout. Je les déteste tous, sauf toi, Cloud. Cloud, je t'aime. Puis elle a ramassé l'épée. Elle est violente, elle. Ouais, ouais, je peux même pas lui parler. Ouais. Enfin, le voir agoniser, quoi. C'est dur de lui parler en même temps, vu son état. Merde, je suis là pour te voir, s'il te plaît, ouvre cette porte. Comment as-tu pu faire ça à mon père et à tous les gens de la ville? Rollo. Elle vient de se prendre un coup d'épée. Alors à mon avis elle doit avoir une cicatrice de ouf, mais vu qu'elle monte son nombril, je vois pas où elle est. Comment ça se fait qu'elle soit encore vivante au moment où Cloud raconte l'histoire? On va voir. Alors. Tu avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. D'ailleurs, le truc qui s'est ouvert, on le voit plus. Il a été reconstruit ou alors il était hors caméra? Un truc où on a vu le monstre sortir et tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Genova. Reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale, allons vers la terre promise. C'est Sephiroth. Ma famille, ma ville natale, comment as-tu pu leur faire ça? Ah ah ah, ils sont revenus, mère. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie, mère était destinée à régner sur cette planète. Stupide créature, sont en train de voler la planète ta mère. Mais maintenant je suis avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Tristesse, et alors, ma famille, mes amis, la tristesse de voir qu'on me prenait ma vie, c'est la même tristesse que la tienne. Ah ah ah, ma tristesse, pourquoi suis-je triste? Je suis l'élu et j'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète à vous, peuple stupide, pour la rendre aussi triste. Pourquoi serais-je triste? Sephiroth, j'avais confiance en toi. Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu. Ah, fin de l'histoire. Et c'est la fin de mon histoire. Ah ouais. Attends une minute, c'est tout. Ah donc on sait pas ce qui s'est passé après. Je ne me souviens pas. Qu'est-il arrivé à Sephiroth? Compte tenu de ma force, je n'aurais pas pu le tuer. Officiellement, Sephiroth est mort, je l'ai lu dans le journal. Le journal appartient à Shinra Inc. Ces informations ne sont pas fiables.
Je veux connaître la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis vivant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Moi aussi, je suis vivante. Tout cela est insensé. Et Genova, elle était dans le bâtiment de la Shinra, c'est ça? La Shinra l'a transportée de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra. Sephiroth. Plein de mystères sur lui. Oh là là, tout ça n'a aucun sens. Je pars, je suis parti. Et je vous laisse y réfléchir. C'est bon, calme-toi, Barrette. Oh, Cloud, allons-y. On y va. Allez, allons-y. Oh, mon frère. Pourquoi mon frère? Cloud? Comment étais-je quand Sephiroth m'a eu? Je te croyais morte, j'étais vraiment très triste. Les anciens, Cetra, Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barrette nous attend. Te fatigue pas, pareil. Viens, Rouge 13, quelle histoire fascinante. Sans ça, je... Je peux encore Barrette avec moi. Ah! Hey, Cloud, ici. Reçu PH. Changez-moi, accédez au menu sectionné PHS, il n'a peut-être utilisé que sur la carte du monde ou sur le point d'enregistrement. Ok. Avec le PHS, je pourrai te voir quand je voudrais. Ok, alors on s'en va. Ok, bon, je vais l'utiliser dès que je serai dans la carte du monde. Je vais juste aller voir, je me rappelle plus s'il y avait une arme pour Rouge 13 dans le magasin d'armes. J'ai pas regardé. Je me rappelle plus. Non, il n'y avait rien, mais d'accord, ouais. Alors, j'ose voir, on va voir au prix. Je peux deviner si le bâton c'est plus fort ou pas. Ah, ça a l'air plus fort, effectivement. Je vais équiper les points à Tifa. On va aller sur la carte du monde et on va se laisser pour donc cet épisode qui était vraiment fou l'histoire. Mettre quelques matérias. Alors, feu, talent d'ennemi, poison, sentir, voler, restaurer tout, voler, glace, terre. Je vais prendre d'autres sorts soins quand même. En fait, je vais prendre masse magie soin. On va vendre des éthers. Voilà, même ça, c'est plutôt faible. Ça, je sais pas ce que c'est, donc je garde au cas où. Les super potions, j'en ai pas vraiment besoin. Calmant, si on va garder, on sait jamais. Bâton garde, j'en ai pas besoin. Même bâton métallique. Si, bâton métallique, c'est le nouveau truc. Point métallique, j'en ai pas besoin. On va se contenter de ça et on va acheter encore un guérir vraiment pour se mettre bien. Donc je vais sur la carte du monde, je sauvegarde et on se quitte pour cet épisode full histoire. Donc il n'y aura pas eu de combat, il y aura encore moins eu de boss. Bon, j'en suis navré pour vous, mais bon, j'espère que on en apprend plus et j'espère que ça vous satisfait quand même, juste enfin que vous contentez de l'histoire, quoi. Juste vraiment pour leur équiper leur truc. Après je reprends mon équipe. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est balèze hein, le ciseau atomique quand même. C'est pas de la merde. Bah on va lui mettre un sanglier. Elle a quoi? Elle a restauré et foudre. Bah, je vais te mettre poison. Voilà. Faut aussi que je t'équipe le bâton métallique. Oui, restaurer, je garde. Et donc, on rechange encore son équipe. Hop, moi ça c'est mon équipe. Donc, je revérifie les matérias. Poison, feu, sentir, voler.
guérir sur Cloud. Il a volé terre, restauré tout foudre. Non, je vais mettre sur rouge 13 guérir. À la place de poison. Comme ça, elle, elle aura poison. Non, elle a pas poison. Alors, qui a poison? Personne n'a poison. Glace, terre. Bah, toi tu vas prendre poison, vu que j'ai déjà un terre sur Cloud. Donc voilà, on va se laisser sur ça. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc pas de fight, bon au moins déjà vous avez pu entendre ma voix je pense, parce que j'ai baissé le son. Et donc bah voilà, c'était un épisode full histoire, flashback et tout. On n'a pas fait grand chose, mais on en apprend un peu plus sur ce qui se passe. Donc voilà, le prochain épisode, je pense qu'il y aura du combat, enfin ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, laisser un commentaire, partager vos avis, donnez-moi des tips vu que je connais pas trop le jeu, si vous, vous le connaissez mieux que moi, enfin bref voilà. Donc à plus, c'était Tonio de la Smoky Family, en espérant que vous avez passé un bon moment sur ce let's play, épisode 7, il me semble.